C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde sur Tank 509, tout haïtien connecté. M'a rappelé ou dans l'émission parlant mon éditorial. Déjà, m'a dit un grand merci pour écoute, attention et fidélité. Continuez à encourager le travail, commenter, liker, partager chaque grain émission. Ancienne première dame, Martine Moïse Gayron. Gros découverte faite sous complot qui t'a fait sous dol dans la justice. Ou besoin qu'on qui ça Martine Moïse fait pour la ville monsieur Sayo, ou besoin qu'on ait comment Martine Moïse fait pour découvrir complot qui t'a fait sous dol dans le pouvoir judiciaire là, bien rete là. Toute information non même dans un petit moment pral connait tout ça qui a passé. Communauté internationale là l'a frappé, il a frappé sérieux, il a frappé raide. Ariel Henry lui-même l'a paré coup. Gen trois bagages qui extrêmement important pour qu'on ait pendant passage sous secrétaire d'État américain, Urzazéa dans le pays. Il y a un dossier pour qu'on connaît. Déjà, je m'invite à partager l'émission avec tout contact. Nous prenons pas les pays, nous prenons le mettre aussi dehors. Eh bien, je dis là, moi j'ai deux produits que je viens de présenter. Bagay sérieux, net, pas de maintenant ça. Une pommade qui rele Genzouti. Son pommade 100% organique qui permet tout rallonger pénion. Ah, ça t'a dit ça. Donc monsieur, madame, nous sauver. Donc pas de question plein et zouti monsieur a li piti, li coûte la bay problème non. Genzouti là l'a aidé au. Entre 30 à 90 jours ou après 3 à 5 cm. Plein fini, corvée fini, d'ailleurs il pas gain effet secondaire, c'est produit tout en fait naturel 100% organique. Et d'ailleurs, tout le monde qui a servi avec, tout garçon entre 15 à 75 ans, ou qu'a utilisé gains outils ou a joindre bon genre résultat d'ailleurs, pommade la parler de déjà, pommade la parler pour tête li déjà. Deuxième produit, li relé gain bonne. Son pilule qui fait à base de 13 plantes naturelles. Li là lui-même, la pour revitaliser quoi, la pour augmenter libido, la pour augmenter érection, la pour augmenter bonne. D'ailleurs, non on parler de li gain bonne. Quand on a pris médicament ça, ou a gain bagaille dans mon pour frapper. Donc, monsieur dame, pas nan fè kòvè, pas nan fè kòvè la, parce que gen produit pour ou mpote produit pour ou, ou ka rele nan 37-55-46-06 sou en Haïti, 37-55-46-06 sou en Haïti, ou bien tout sou nan international, ou ka rele nan 514-886-97-76, 514-886-97-76, ou bien visitez website là pour plus facile, www.zestofmoringa.com, zestofmoringa.com. Regardez là qui passe dans l'écran, relé écrit mes amis, al prend produit yo, ou ba moi résultat yo nan boti mamite. Martine Moïse, ancienne première dame, il y a plusieurs dossiers, il y a plusieurs démêlés avec la justice. Ni dans ça qui gain pour avec dossier Dermalogue là, ni dans ça qui gain pour avec dossier assassinat Moufiki Dorval là. C'est des dossiers qui pendant dans cabinet d'instruction. Gon juge d'instruction qui travaille sur dossier. 7 juillet, il a assassiné Maril, il témoin dans dossier et récemment là nous trouvé, il était comparé devant cabinet d'instruction devant juge Gary Aurélien pour étendre la qualité de témoin. Maintenant, non ça qui gagne pour avec dossier abus de confiance, dossier escroquerie et dans dossier Dermalogue là, tu as un juge d'instruction, il a son exhumé lui-même qui t'a travaillé sur dossier et après Martine Moïse est sorti cabinet d'instruction sous dossier assassinat et président Jovenel Moïse, tout de suite après, yo t'a voyé yo comparution pour lui pour te paraître. Avocat yo te répondre parce que yo te mandé pour reporter et audition Martine Moïse pas ka venir pour des raisons de santé etc. Kounya ki sa krive quelques jours après là
Et avocat Martin Moïse, yo écrit vice-président, yo écrit et juge qui dans cour de cassation pour yo mandé récusation juge Ikenson exhumé. Ça avocat Martin Moïse récusé juge. Parce que prétendument là, juge Ikenson exhumé, il gagnait des liens d'alliance avec qui est avec youn nan monsieur sa yo qui c'est présumé auteur intellectuel assassinat Jovenel Moïse. Là m'a parlé de John Joel Joseph. Ikenson exhumé, c'est frère madame John Joel Joseph. Là on va déjà comprendre gen un conflit d'intérêt. Martin Moïse même li pa tap jam accepté pour vinn paraître devant youn nan juge qui gen un lien avec moun qui gen non moun qui te chita pour planifier assassinat Maril. Et nan justice tout moun gen droit mande récusation juge pour conflit d'intérêt et c'est exactement ça avocat Martin Moïse yo fait. Donc juge Jean lui-même qui était déjà connu, li gon certain lien avec madame John Joel Joseph, qui ça le doit faire c'était déporter le dossier. Li pas même besoin quitter, c'est avis li Martin Moïse avili, c'est avis li et avocat Martin Moïse pour y avili, pour y aller chercher et extrait d'archives li pour y aller chercher acte de naissance, pour aller mander archives nationales qui lien de parenté gagné pour certificat et de mariage acte mariage etc. pour y venir avili monsieur. Donc là comportement bon juge ta doit gagner automatiquement gon conflit d'intérêt, automatiquement ou en relation gon rapport avec youn nan moun qui impliqué qui gen non cité dans dossier assassinat Jovenel Moïse c'est retiré quoi dans dossier et nous te wel une fois que l'année judiciaire l'an di ouvert Martin Moïse sorti pour un dans dossier assassinat Jovenel Moïse ou sous tande li et puis pour deux li recevoir acte de comparution li devant juge Ikenson exhumé et tout le monde te saisi tout le monde dit bon qui ça cap passer comme ça est-ce que là et qui sont pral dit ou pral dire est-ce que c'est persécution politique ou pral dire est-ce que la justice a travaillé tout bon parce que le nan youn li tombe dans l'autre et l'a bien pour le comparaître dans dossier Batoni Monfurgi d'Orval là faut qu'il y a répondre question la justice kounya nous rivons dans impasse là côté que avocat Martin Moïse a demandé récusation juge Ikenson exhumé jugeant li pral retirer kòl nan dossier ça kounya wa imagine ou li pa tap jam bon parce que déjà gon conflit d'intérêt. Si bon frèm déjà non problème avoir, bon frèm déjà c'est une nan moun qui impliqué dans tout yemaou, comment pral faire et comment pral faire juger en toute impartialité? Comment pral faire tandem sans qu'on pas pencher dans kabo fò la ou bien ou pral bay certitude que pral faire travail à la justice mandéen pour faire de manière équitable. Pour faire sans que ou pas aucune arrière-pensée derrière tout. La justice bay droit à tout le monde depuis juge qui pral tande lan ou senti gon conflit d'intérêt dans procédure là ou senti juge li pa travail en toute équité ou ka mande pour yo retirer le dossier. C'est pas une déportation. Déportation li différent de récusation. Déportation c'est juge qui décide lui-même retirer le dossier alors que récusation c'est ou même juge pral tande, c'est ou même juge pral invité, c'est ou même qui soit un témoin, qui soit un inculpé dans le dossier, c'est ou même qui pral mande la justice pour retirer juge parce que juge gon conflit d'intérêt. Juge pa ka travay en toute impartialité. Avocat Martin Moïse ou bien fait. Si neglan li gen pouwe avec madame John Joel Joseph, qui s'en pral fait devant? Qui interroge pour aller devant? Donc là, on a parlé de nous besoin d'un système judiciaire qui fort, nous besoin d'un système judiciaire côté magistrat et respecter tête. C'est exactement le comportement et semblable qui pas utile justice en rien. Comportement ça pas dans intérêt la justice parce que lorsqu'on on est en conflit d'intérêt, ou pas besoin courir par tête pour voir comme si on fait un bagage qui sérieux alors que À la base, toute procédure là, elle pral vicié, toute procédure là, pral entaché parce que lien ou gagné avec John Joel Joseph là, l'y dépassé même capacité ou gagné pour tant de Martin Moïse dans un dossier escroquerie. Et d'ailleurs, faut que moi mentionner le dossier d'Ermaloc là, son dossier qui est extrêmement important, pour le peuple haïtien, pour l'État haïtien, pour yon connaît comment contrat ça a été fait signer et qui des avantages qui te gagné dans contrat tout. Li extrêmement important. Youn nan bagay qui extrêmement important pour nous connaître aujourd'hui là. Qui vérité qui cachait derrière dossier d'Ermaloc là?
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est la justice qui vous détermine. Le fait que avocat ou guette a prédéterminé, c'est les faits infractionnels que Martine Moïse victime de lui, et ça a déjà prouvé que, et on dirait que c'est un complot Martine Moïse prend. Et l'on a songé, dossier Dermalogue, qui est-ce qui était venu vers sous table? C'était Yuri La Tortue, c'était André Michel à l'époque, le farouche opposant et Jovenel Moïse. C'est vrai que dossier Dermalogue là faut que CSCCA faut coup des comptes bail exactement comment contrat a été passé, qui quantité l'argent qui était débloqué, est-ce que tu as un avis favorable pour contrat, etc. Donc est-ce que tu as une passation de marché public qui t'est faite, faut que nous connaissons exactement qui ça t'est fait, comment firme ça qui t'est venu faire code identification nationale, comment tu fait bénéficier contrat. Est-ce que le contrat est en toute légalité? Est-ce que le principe est respecté? C'est ça pour nous qu'on est. Est-ce que le contrat est fait au respect des principes légaux? Je dis, il faut que nous fassions des batailles qui sont légales. Faut que nous menions une bataille qui est juste. Nous pas en persécution politique. Faut que nous menions une bataille pour la vérité dévoilée. Et tout le monde qui a intérêt ou préjudicié l'État haïtien pour y punir, pour y condamner en conséquence. Mais fait la chasse aux sorcières pendant que vous connaissez ou même personnellement qui se juge d'instruction ou déjà pral entraver procédure là par rapport avec conflit d'intérêt qui gagne par rapport avec relation gagne relation sur gagne avec John Joel Joseph Jodian qui en cavale depuis 7 juillet depuis après assassinat président Jovenel Moïse. Donc là ou même comme juge d'instruction ou gagne tant bail la justice en frappe ou gagne tant mettre la justice à terre ou gétant marcher sur système judiciaire là parce que gétant dérouter toute procédure là ou gétant ba avocat Martine Moïse 11L4 pour jouer contre 11L4 pour jouer contre l'injustice. C'est vrai doyen pral meton l'autre juge d'instruction sur dossier pas gain doute sur ça que yo pral retirer dossier en américain Sonny Dumé. Ikenson est du méfel, est-ce que c'est conséquence sur le pas de penser ou bien est-ce que pas de jamais penser que yo t'a pral découvrir que c'est frère madame John Joel Joseph qu'on y a regardé dans qui ont mis sur ou lagué sur nos scandale alors que fille était capable même besoin qu'on ait il pas même besoin public qu'on ait s'il était à John Joel Joseph ma ou impliqué dans un dossier assassiné président qu'on y a ou t'a prêt mais pour faire la une des journaux pour tout on a connait ah ça c'est madame assassiné oui. Vous comprenez? Donc, il y a quelques bagailles et quelques bagailles. Là, nous avons évité. Là, nous avons évité. C'est éviter d'un coup. Nous n'avons pas obligé tant ces scandales qui pourraient mettre nous dehors. Son juge qui pourraient demander nous pour nous retirer nous de dossier, etc. Il n'y a pas fait sens. Je dis, on a fait un combat pour nous remettre cap et la justice. Ce n'est pas un même acteur judiciaire ça, qui pourra faiblir le système judiciaire. Donc je dis en véritable bataille là, véritable combat pour la vérité. Nous pral attendre nous à ce que un nouveau juge d'instruction qui sous dossier. Hein? C'est sûr lui-même juge ça là en toute neutralité, là en toute impartialité parce que juge là, il pas gain aucun lien avec John Joel Joseph et me pas croire s'il gon lien avec quiconque l'autre monde qui t'a impliqué dans dossier assassinat Jovenel Moïse pour doyen t'a prendre pour t'amener sous dossier. Donc là, gon bataille qui pour faire à la base tout à travers aux responsables qui dans pouvoir judiciaire là. Enquêter sous juge dans bail dossier yo. Le nou ap distribuer dossier ba juge instruction yo ou pa ka bay n'importe dossier à n'importe juge, faut garder qui relation le gagne, faut garder lien de filiation, lien de parenté, lien d'alliance si ka gagne avec une nan moun qui impliqué dans un dossier quelconque jodi an qui un scandale de la république. Nous pas ka jouer avec dossier, dossier extrêmement important et vérité peut pas ici attendre trop l'argent gagoté. L'obtende dossier Dermalogue, des millions de dollars qui dépensaient alors que t'es gen l'autre firme qui te ka fait capture à pi bon prix, à pi bas prix. Je dis, on va demander qui est yo préjudicié, c'est l'État haïtien, c'est peuple haïtien. L'argent ça te ka utile, mais qui est? Qui est qui te ba autorisation pour contrat passer? Qui est qui te choisi à signer contrat? Comment contrat ça a fait passer? Faut que nous connaissons les détails. Je dis, c'est pas une question. M'se fanatique et m'son PHTK, c'est pas question, m'son journaliste, c'est pas en question, m'son partisan rouge, partisan zélé Martine Moïse.
qui pour empêcher qu'on la vérité, fort qu'on la vérité. Et si la vérité ça carré de Blanche Martine Moïse, que vérité en que on mettait sur table pour tout le monde connaît, sans que le pas besoin rentrer dans logique de persécution politique, sans que le pas besoin rentrer dans logique et d'affrontement politique tout. Parce que jodi on a bataille pour nous faire pays, n'a bataille pour nous mettre camper pouvoir judiciaire que le fait de manière légale, que le fait à travers respect procédure. Donc John Joel Joseph là qui nan marron, eh bien bon frère de gen préparé là pour le peser Martin Moïse du. Ah ouais. C'est sûr que t'a gen tawé yo émettre et des preuves à charge contre Martin Moïse. Oui? De t'a retenu des preuves à charge parce que imaginons qu'ils ont jugé qu'ils ont dû mettre café. Ils ont retenu les charges et puis soit de Ayovo et Martine devant un tribunal et criminel pour la juger parce que ils fait escroquerie, ils ont reproché l'abus de confiance, ils ont reproché le faux usage de faux, ils ont reproché l'association de malfaiteurs. Donc là, si réellement la justice a travaillé, faut qu'après faut qu'ils questionnent juger qu'ils ont dû mettre pour qu'ils connaissent qui ça te motive. Qui s'acte qui est belle sous dossier a toujours, alors que le connaît tribunal là exige tout juge qui a un conflit d'intérêt pour déporter au de un dossier. Faut que nous pas jouer à bailler, non? Faut que nous connaissons réelle motivation qui cache des actions juge imposé. Faut que nous connaissons. Et faut que doit un tribunal première instance en Bernard-Saint-Ville, faut que l'imam des juges qui sont édumés pour le bal explication et explication ça yo doit rendu public, faut que tout le monde connaisse. Après dossier abus de confiance d'Hermaloxa, dossier escroquerie d'Hermaloxa, après dossier mon fils qui doit aller sur le tapis et leur comparution bail leur invité Martin Brice n'a bien pour nous venir sur dossier ça parce que son dossier qui est extrêmement important. Son dossier qui nécessitait que la justice travaille pour yon bail bâtonnier d'Orval, justice. Des cerveaux, des têtes pensantes comme ça, en dedans mon pays, pas cap tomber comme ça, pas cap mourir comme ça. Et puis la justice lui-même, c'est politique qu'a fait en dedans. Donc, il y a nécessité, je dis, pour justice ça marche bien, et faut que nous travaillons pour tout le monde qui a une justice. Indépendamment de rang, indépendamment de classe sociale, ou indépendamment de qui secteur politique ou fait là-dedans, de qui secteur politique ou affilié là-dedans, faut que tout le monde cache une justice. Et c'est pas une justice qui ni vendre, c'est pas une justice qui ni truquer. C'est la justice qui doit bailler pour tout le monde, même gens. Pendant nous quitter dossier qui vient pour avec et Martin Moïse, qui avili et qui nous ont dit, parce que ça, son avilissement lié. Ikenson a fait bailler en battable et puis voilà. Avocat Martin Moïse mettait sous table tout moun wèl tout tourné. Tout tourné pa gen bien caché l'en bout là. Tout tourné juge apparaît. Kounye a, nous te gagnons sous secrétaire d'État américain hein. Urza Zeya qui t'est rentré dans pays hein, qui t'est vinn fon ti bat bouche avec Ariel Henry. Pendant période dialogue ça gon paquet de bagay ki dit. Et dans la rencontre qui fait, il a rencontré Ariel Henry, il a rencontré avec DJ Léon Charles. Gagné trois points qui sont extrêmement importants pour nous. Et trois points qui sont là. Trois points sérieux, c'est à travers la rencontre Zéa fait avec Ariel Henry. C'est à travers la rencontre sous secrétaire d'État fait avec DJ Léon Charles. Nous prenons comment l'autorité nous est faible. Faiblesse autorité nous yon rive loin. Yon tellement rive loin, on dirait que yon pas même gen aptitude, yon pas même gen bonne volonté pour yon défendre intérêt peuple. Sous secrétaire d'État, li rentre dans une situation qui vraiment préoccupante. Côté que nous gagnons une insécurité qui fait rage dans le pays, hein? Nous gagnons une déportation massive compatriotes haïtiens. Nous gagnons tout élection et nouvelle constitution référendum qui supposé préparer pour très bientôt là. Mais chaque monde ça c'est une priorité. Ariel Henry li rencontré avec Zéa qui ça parler, li parler de élection. OK, pas de problème. Faut que élection fait dans pays pour nous mettre un président démocratiquement élu. Mais en dépit de tout ça, Ariel Henry li parler de rapatriement compatriotes haïtiens. Donc, je dis là, tout problème pays en gagné, c'est rapatriement, c'est déporter haïtien qui priorité Ariel Henry. C'est ça qui t'a doué priorité Ariel Henry, je dis là. Alors que y a des problèmes majeurs, alors que y a bail compatriotes haïtiens, y a des traitements inhumains,
des traitements dégradants, mais tout ça Ariel Henry ouais, tout ça Ariel Henry joigne pour parler avec le secrétaire d'État américain, c'est rapatriement. Il pas parler de traitement yo té ba haïtien yo, non bien entendu, de rapatriement. Garde comment nous ka faire pour nous rapatrier yo, pour mettre yo dans avion, voyer yo ba nous n'a prend yo. N'a prend yo nous capable de supporter yo, nous capable accompagner yo. Qui soit capable faire? Qui soit capable payer Mariel? Ah bon? Donc je dis là nous avons des préoccupations, nous avons dossier insécurité pour nous chercher gérer, pour nous chercher traiter et puis on parler de rapatriement. Moi même des fois demander est-ce que et autorité nous yo est-ce que c'est blanc? Est-ce que c'est blanc yo peut parler avec blanc? Est-ce que c'est blanc yo peut garder danger pour yo défendre vrai intérêt peuple haïtien, vrai besoin peuple haïtien? Oui, faut que gien rapatriement qui fait parce que et de manière illégale, il y a pas kembe moun yo dans pays. Mais tout bon façon qu'à défendre peuple haïtien sans que on pas obligé montrer tout le monde que on faiblesse. Jodi an la, on sous-secrétaire d'état pas ka rentrer dans pays et puis dossier qui est extrêmement important yo, c'est rapatriement li pou. Littéralement nous tellement pas gien priorité. Nous tellement pas gien dossier qui pral permettre nous défendre peuple haïtien, c'est ça que faut le sous-secrétaire d'état li vini avec on causé binu. Faut ONU renouveler binu. Binu encore. Binu toujours. Donc là Zé a parlé l'autre bagaille, yo pral ba nou binu encore. Mande moi ça même pour renouveler binu. Pendant n'a bataille n'a dit que et OK, faut Haïti indépendant tout bon, faut nous grand monde tête nous tout bon, faut nous ka prendre décision pour qu'on nous tout bon, mais là qui décision Ariel prend qui dans intérêt peuple là. Faut yo renouveler binu. Est-ce que Ariel Henry dit nous pas besoin binu? Binu t'est là déjà, qui bilan qui fait? Le la li maléa. Madame la li m'de la bien propre, binu de la de nan tête binu. Même binu sa ka mande peuple en résilience, c'est même binu sa ka bat bravo. Le CNDD, Commission nationale de désarmement, démantèlement, réinsertion, que ancien président Jovenel Moïse te mette campé, pour te venir avec un plan stratégique de sécurité en dedans pays, qui te échoué que pas privé faire rien, que alliant groupe gang, alliant groupe bandit, eh bien, je dis là, c'est même binuza ou besoin tourner avec le sous table, c'est même binuza ou besoin tourner avec la figi moun. Pour faire qui ça? Pour faire qui ça? Alors que PNH a des problèmes techniques, problème PNH c'est problème matériel, problème PNH c'est problème de formation, problème PNH c'est problème accompagnement pour policiers yo, et rive augmenter effectivement, c'est exactement ça lié. Mais qui ça? Qui plan vraiment binu te gagne pour Haïti en termes de sécurité? Qui plan d'accompagnement? Qui plan technique qui te gagne pendant tout le temps binu te fait là? Binu pas jamais réglé rien de concret pour Haïti. Alors que nous faisons partie de plusieurs, nous dans organisation régionale, nous dans ONU, nous faisons carré gain problème. On dirait son quoi son chat Haïti a porté par rapport avec organisation internationale ça, par rapport avec communauté internationale là. Nous incapables pour nous défendre intérêt nous incapables pour nous mettre besoin nous sous table tout besoin haïtien gain tout besoin autorité haïtienne yo gain c'est des besoins politiques, c'est des besoins politiques. Pays a crasé, pays en lambeau, pas gain rien qu'à marcher, institution a fini crasé, c'est bataille politique qu'a fait, c'est bataille pour pouvoir, c'est bataille pour poste qu'a fait. Nèg lan li nan tout sak pa bon, nan tout vieux sak, c'est lui même pour yo choisi pour yo vinn ba nou comme dirigeant. C'est lui même pour yo choisi pour yo vinn ba nou comme moun ka prend décision pour peuple. Donc qui résultat n'ap gen, c'est toujours même résultat pour nous gen, n'ap toujours gen des institutions qui crasé, n'ap toujours gen des dirigeants qui participent dans corruption, n'ap toujours gen mauvais contrat qui prend, n'ap toujours gen mauvais deal qui fait en batab. Et puis peuple a toujours désavantagé par rapport avec intérêt personnel nèg yo. C'est pas binu, c'est pas Nicor Group, c'est pas aucune communauté internationale qui a gagné pour faire rien pour Haïti, qui a gagné pour changer Haïti. Haïti c'est haïtien pour changer, la responsabilité nous aujourd'hui, c'est des responsabilités haïtiennes pour lier. Nous sorti dans binu, nous prend dossier rapatriement que Ariel Henry mandé hein? Et je dis là il a parlé nous de résilience, ça est trois points qui extrêmement oui dans passage sous secrétaire Yuzazia.
Sous-secrétaire américain, sous-secrétaire d'État américain, lui permet nous mettre en exergue, lui permet nous mettre point sous i avec autorité nous. C'est pas que nous pas te connaît, non, mais nous te connaît et faiblesse déjà. Nous te connaît tout ça, nous te qu'a fait tout ça, nous te qu'a dit. Mais là, yo allé trop loin, yo allé plus loin toujours. Yo allé plus loin toujours. Pour Ariel Henry a parlé de rapatriement. On paye déjà pas bon comme ça, on paye déjà avec vague insécurité ça, pour demander États-Unis rapatrier voyer ba ou toujours et déjà déportation le pas camper. Déportation le pas camper, certes kounya la presse pas fait même focus sans sous li encore. Média pas fait même focus sans pour aller dans l'aéroport Toussaint Louverture là pour aller dans l'aéroport Cap Haïtien, mais toujours gain rapatriement, yo toujours voyer haïtien ba nous. Et je dis un grand paquet de monde qui parle de réouverture frontière Mexique, réouverture frontière Canada, etc. Il pas gagné pour le avec migration, il pas gagné pour le avec haïtien yo qui sans papier qui besoin rentrer dans pays États-Unis. Il pas gagné pour le avec yo. Réouverture frontière là c'est pour moun qui légal, c'est pas pour moun qui illégal, des pour illégal, il y a toujours ka refoulo. Et je dis là Ariel Henry dit États-Unis très clairement voye ou ban moins voye ou bak bon moi même ka responsable moi ka prend en charge c'est ça le dit bon la mande rapatriement c'est ça le vle c'est ça le dit c'est ça l'exiger je dis hein, de communauté internationale de sous-secrétaire d'état américain USASEA. C'est parce que Ariel Henry estime que le ka prend chaque grand haïtien en charge je dis là sou pa ka manger sou pa gen travail ou ka aller ou mande Ariel bon travail ou ka mande Ariel bon manger parce que Ariel estime que le ka prend chaque grand haïtien en charge. Je ne sais pas qui l'aime, je ne sais pas qui comment, mais c'est ça Ariel fait comprendre, c'est ça Ariel fait quoi. Premier ministre Ariel Henry, et merci parce que, au bras le bras, chahé-moi lourd, chahé-moi très très lourd, mais, au capable, c'est au capable. Monsieur Orense en pile, monsieur Orense avec pays, Orense avec peuple. Donc là, c'est extrêmement compliqué situation à vivre là-dedans. Là. Parce que non seulement je dis, et gang a théorisé nous face avec des autorités de l'État qui a passé nous dans tête, qui a fait rien dans nous, qui a fait regarder nous mal, qui a fait traiter nous mal, et pendant nous, il y a un paquet de déportation massive qui a fait, et pays États-Unis a fait là en Haïti, il y a plusieurs autres pays déjà qui fait déportation, Bahamas fait, Mexique fait, République Dominicaine là, c'est chaque jour ban nous haïtien, yo ban nous matin après-midi retourner parce que frontière là trop près yo. Mais ça pas empêcher pour nous reconnaître qu'il y a de graves problèmes, dans l'institution yo, qu'il y a de graves problèmes dans l'autorité nous yo. Gros ensemble de décisions qu'a prend jodi an yo pousser haïtien qui te pays yo pousser nous fuir pays an jodi an. On t'a font une statistique si on t'a pour un échantillon sans haïtien ou t'a mandé on veut quitter pays an je suis sûr que 99% là dedans pour pas dire 100% y a dou oui qui compte veut aller y a dou États-Unis veut aller parce que haïtien jodi an loi États-Unis comme la terre promise parce que toute bagaille yo c'est travail toute bagaille yo c'est autorité yo qui fait n'importe pays où a bien marché sur la terre c'est autorité yo qui prend responsabilité yo la kay nou an pa marché parce que nous pas gè autorité valable nous pas gè autorité conséquent nous gon paquet nèg là c'est vinn prend privilège vinn jouir privilège vinn jouir sécurité vinn monter belle machine blindée pour yore les têtes officielles etc. Pour y a bien perdième depuis nèg dans les gain perdième dans l'état matin me dis en voyage pour ka toucher quoi blanc ça crée et deuxième résidence secondaire là parce si yo ka bénéficier même c'est pas parler. Yo t'a préféré le prendre, yo t'a fait le nom chez motel pour yo ka le faire créer. Nèg si c'est comme ça oui, yo rentré dans l'état pour yo ka jouir privilège pour yo ka le bambocher. Mais ça va gagner rien pour avec échanger la vie moun changer la vie haïtien. M'connais nèg yo. C'est pas première fois nèg a fait politique. C'est pas première fois nèg a fait politique devant et politicien haïtien yo m'connais yo bien. Je les connais. Donc, je dis à Piga, aucun monde vient dire que, Ariel Henry là, dans tête l'État, son bagage qui pourrait changer. Yo voyez Ariel Henry pour Ariel Henry organiser l'élection. Ariel Henry a pas organisé l'élection. Mais, on t'en pral vini là, mais on t'en pral vini pour le bon président.
Après ça, on passe 5 ans, on passe 5 ans instabilité, on passe 5 ans contestation, on passe 5 ans fait manifestation. On y a moi nous rentrer dans logique assassiner président. Donc politicien nèg gab bataille pour voir nèg qui gagne inspiration qui chaud devant bande là pour venir propre et poste président. Nous déjà comme ça préparé pour nous. Et c'est là nous pral voir que nèg ici, politicien ici, nous sans caractère bon. Si vraiment nous t'estimons que poste président son poste qui digne, poste président son poste nous doit respecter. Je dis à nous tout tap mettre tout différent nous gain de côté, tout problème nous gain de côté, nous tap mettre l'on bord pour nous battre ensemble pour nous permettre à ce que justice soit, pour nous permettre à ce que Jovenel Moïse joigne justice de manière à ce que ça pas reproduit encore. On dirait que nous tout comme ça passé hein, nous tout dans ça passé, donc ça pas intéressé nous pour la justice travail, ça pas intéressé nous pour justice bail, parce que nous-mêmes nous gèt encore comment nous pral préparer arrière, nous gèt encore comment nous pral protéger tête. Nous c'est ça lié. C'est comportement ça nous bail, c'est ça nous afficher. Jodi en s'il était important, si pouvoir était réellement important pour nous, nous t'ai consacré les pouvoirs. Nous t'ai consacré l'exécutif, nous t'ai consacré les présidents. Yo assassiné Jovenel Moïse depuis 7 juillet, 3 mois après, gon paquet nèg ki nan maron, 3 mois après, gon paquet non kap cité, même non Ariel Henry a cité dans dossier, et puis jodi a, nous tan kou ti chien fou, nous tan kou fumi fou, n'a bataille pour ki ça, n'a bataille pour nan chita avec Ariel Henry, al négocier poste, al négocier pouvoir. Nous pas honte. Nous ta dwe honte, parce que bataille lan son bataille pour pays la fête. Son bataille pour changer la vie moun ka fait. Donc tout moun qui impliqué dans dégrader image pays dans sale image pays nous pas supposé dans collaborer avec yo. On dirait c'est seul Jovenel Moïse qui pas connait ça que t'a planifié hein, qui pas connait ça que t'a fait là. Et puis voilà, boum, tchak tchak boum, nous assassiné Jovenel Moïse. Donc jodi hein, nèg gab bataille pour pouvoir, nèg qui paré pour l'élection de dans pays ça nèg qui dou yo paré pour yo vinn président pour yo assumer pour yo assurer fonction président de la république là souwe jodi an li pa déterminé souwe jodi an pas prend position pour la justice travail pour yo marrer tout assassin tout complice tout présumé auteur intellectuel assassinat président Jovenel Moïse c'est parce que le connaît ça qui t'est passé non seulement te connaît ça qui t'est passé li konn moun qui t'est fait yo et moun za yo même yo pral ballon garanti que yo pa touye le tout. Parce que je dis, si nous on dit que Jovenel Moïse était mort parce qu'il t'a combattu oligarque corrompu, il t'a combattu système bezé sous, il t'a combattu un groupe nèg, on frange, moi-même toujours dis comme ça, Jovenel Moïse t'a combattu contre un frange de l'oligarchie corrompue, mais il pas combattu tout système là. Il pas combattu tout le monde. Donc faut que nous clair sur ça. Et je dis, si Jovenel Moïse t'a bataille contre un groupe moun dans système là, contre un groupe oligarque corrompu, et puis nous-mêmes même groupe oligarque corrompu ça yo toujours dans pays là, yo toujours sous marché des affaires là, yo toujours à bracher, yo toujours à couper et pour pas peur et pour pas crainte. Ou pas bataille pour Jovenel Moïse jeune justice pour tout monde ça qui impliqué pour yo marrer ou pour yo mettre en bas code de manière à ce que ou même à l'abri de danger ça, de potentiel danger ça, c'est parce que quelque part, bon négociation qui fait avec yo. Quelque part, ou à l'aise avec yo, quelque part, ou pareil pour parler des avantages que Jovenel Moïse t'a retiré dans mes yo. C'est ça nous fait comprendre, oui. Et c'est ça, peuple, doit comprendre. Je dis, n'importe moun qui mette yo, n'importe moun qui mette yo à l'écart de dossier assassinat président Jovenel Moïse, qui pas travaille de concert avec la police, de concert avec la justice, pour dénoncer tout délinquant, pour dénoncer tout voyou, pour dénoncer tout assaillant, que t'a quoi, ou t'a qu'on côté le caché, etc. Ou pas dit la police, c'est parce que, ou participer volontairement à ce qui t'est passé. Ou ka partisan Jovenel Moïse, ou ka pa partisan Jovenel Moïse, assassinat Jovenel Moïse, li dépassé largement en question de fanatique, li dépassé largement en question de partisan, de sympathisant, c'est une question d'État, c'est une question de souveraineté, c'est une question de pays, c'est une question d'intégrité territoire. On crime transnational qu'on s'a fait, et puis nous chitons quoi ces bras, nous d'une apte blanc. Alors que c'est même blanc ça qui touye, c'est même blanc ça qui assassiné, pour qui vérité blanc pral vin baou là? Qui ça blanc pral vin faire contre propre tête li encore? Pour haïtien, blanc pral vin dénoncer une autre pour, alors que nous même là, dans petit bout de papa de saline, nous bataillons une contre l'autre, nous pas en mesure pour nous défendre une autre. Donc dim, Jovenel Moïse mouri, qui est-ce qui perdu? Madame ni petite li? C'est eux même qui perdu, oui.
Après ça, qui est-ce qui paye encore? Parce que même peuple, aujourd'hui, là, même peuple, nous, aujourd'hui, à Cap-Dou, comme ça, pour la plupart, il y a moins de justice pour Jovenel Moïse. C'est parce que quelque part, il y a un sentiment et il y a un vide. Yo gon vide soit parce que bot jeune nan manke yo, yo gon vide soit parce que quelque part yo té on partisan Jovenel Moïse ou bien tout Jean Jovenel Moïse mouri en bagon moun ki mérite la mort, pa kon moun ki mérite pou yo mouri massacré comme ça, martyrisé comme ça. Donc ça révolte chaque grand haïtien la mort Jovenel Moïse, li révolte majorité peuple lan. Assassinant président la kayli, non seulement ça tout, tuyon moun jam de wa yo massacré Jovenel Moïse, c'est inhumain. Pour un monde chita ou mort selon un monde comme ça, ou bat un monde comme ça, torture un monde comme ça, et pour pas le temps de que Yabdou et ses balles seulement tuer Jovenel Moïse, bon, ça sont l'autre dossier, ça sont l'autre discours, ça sont l'autre et parenthèse. Mais ça pour nous retenir dans le dossier, ça, si jodi a haïtien pas paré pour collaborer, pas paré pour aider, enquête faite, pas paré pour dénoncer, moun sa ou qui en cavale, koto wè yo, dénoncer ou koto wè yo, maré yo, pas jamais gagné qu'a fait, pas aucun avancé qu'a fait. Et moi-même dis nous très sincèrement et très clairement, soit pas jamais dans derrière dans le dossier ça pas gagné qu'a fait, pas gagné qu'a avancé. Nous qu'a pensé n'a fait avant et pourtant c'est bac n'a fait. Parce que jodi en là, gien des monde qui extrêmement important pour tendre dans dossier ça. Donc pas rien blanc pral vinn faire pour nous si nous-même n'pas qu'a utile tête non. Donc là nous revenons à l'extrême côté que l'on a parlé de pays, l'on a parlé de société, l'on a parlé de changement. Changement c'est haïtien pour faire. Changement c'est dans comportement, nous changement c'est dans décision on prend, c'est eux même qui pour symboliser changement. Changement haïtien, il pas sortir dans ciel, c'est pas 11 anges qui vient faire. Et moi je prendre des exemples c'est pas vous. Là parler je dis en pile haïtien yo t'a remé à visiter Dubaï, yo t'a remé à connaître Dubaï, mais là parler de Dubaï, Dubaï qui salté en désir oui. On désire un plan de développement. Gen des têtes pensantes, gen des monde qui pensent, yo transformer désir là, yo fait parc d'attraction, yo transformer désir là, jodi en li un lieu touristique, tout le monde a aimé à visiter. Là prend Honda avant de parler, n'a parlé de Paul Kagame. Paul Kagame est un visionnaire, mais en dépit du fait que Paul Kagame est un visionnaire, Paul Kagame lui-même, lui son président qui était autoritaire parce que lui qu'on ça le voulait pour Honda. Lui qu'on ça le voulait pour Honda. Et ça, le vrai, il fait exactement ça que t'es dans la tête. Il fait exactement vision de gagner. Jodian, nous avons des prétendus visionnaires dans le pays. Là. Ou imaginez, Haïti est occupé République Dominicaine. Et si République Dominicaine n'a pas de des visionnaires, si République Dominicaine n'a pas de des autorités qui t'aiment dans le pays, des présidents dominicains qui t'aiment dans le peuple, Jodian, Saint-Domingue n'a pas de salaire, République Dominicaine n'a pas de salaire. Gade quantité d'artistes qui pral acheter villa. M'a regardé récemment la Offset acheter en villa pour madame Nicole Dibi, République Dominicaine. Gen gros artistes Vengezel tout temps yo la République Dominicaine, yo pa mettre pied au Haïti. Yo pa mettre pied au Haïti pour ça parce que nous vend on mauvaise image de pays, hein. Autorité nous yo pa jamais en mesure pour yo défendre intérêt pays, hein. C'est temps de nous donner l'argent débloqué pour développement pays, hein. Nous pourquoi jamais ka développement. Alors que pays voisins nous là yo dépassé nous 10 fois, 20 fois, 15 fois, 50 fois dans ça qui gagne pour avec développement. L'op tande routan les Mateli, li fait 5 ans. Y a parlé de routan les, regardé au bon viaduc, yo bon bout de béton et puis y a parlé de routan les comme si yo pas jamais dans pays puis yo routan les. Mais yo mette là. Là, oui, quand vous yo mette 4 poteaux campés. 4 poteaux en coûté l'état haïtien des millions de dollars. Côté reste l'argent. Yo gagote l'argent pour le Caraïbe. On l'argent qui a aidé à développement pays. En 2010, nous avons même communauté internationale ça. Nous avons les Clinton qui rentrent. Nous avons Jean-Max Belrive. Nous avons plusieurs autres encore avec acolytes. Yo rentré au gagote l'argent c'est hier à champ. Qui ça que j'aime dit? Côté remboursement, côté réparation pour les haïtiens. Jamais. Ça pas jamais intéressé. Nous nous pas jamais soulever problème ça devant Nations Unies. Nous pas jamais soulever problème ça devant communauté internationale. Nous dit zanmi nou. Alors que gen réel nécessité aujourd'hui pour nous ta joindre l'argent ça pour nous ta investir. C'est pas avec modèle autorité ça nous gen là développement pral possible parce que depuis l'argent rentré dans caisse l'état
li pa sorti. L'a sorti pour la jouer dans les banques, l'a sorti pour la dans coffre, pour la dans mallette, mais le pa sorti pour la utile société, l'a sorti pour la utile papa ici jamais. Nous fait expérience ça. Regardez là. Récemment nous gon tremblement de terre qui passé. Nous avons trois principales villes qui saccagées. Côté plan de développement, côté plan de reconstruction. L'argent gagoté dans la question, jouer dans l'accord politique. L'argent gagoté dans la question, bail nek belle machine. L'argent gagoté dans la question, pour payer lobbyistes, pour laver l'image de la ressource internationale. C'est ça qui fait. Allez, kounya, allo kay. Bon, comme on ne peut pas passer matissant, si on prend un avion, prend un avion. Allez, al gade ki bilan. Allez, al gade côté plan de reconstruction. Allez, al gade ki accompagnement l'État haïtien bay moun yo. Zéro. Gen moun jusqu'à présent jodi an kap rele, kap ekri, kap mande tante. Kap rele, kap ekri, kap dou esko ka asiste, esko ka voyon ti chocho pou yo. Parce que l'État pa accompagne moun yo vraiment. L'État pa fè rien sérieux. C'est prend l'argent aide, c'est décaisser l'argent, c'est prend l'argent don, a ta prè yo pran. Yo pran prêt pour qui ça pour aider pays à avancer pour développement pays et puis l'argent ça rentre dans bout d'approche monsieur volé assassin assassin. Nous pas différent jodi en de aucun nexa qui dans pénitencier national n'après les délinquants n'après les et c'est eux même qui touye Jovenel Moïse. Nous pas touye papa ici en tout même. Nous pas différent de chaque délinquant, autorité nous pas différent. Comment on va le faire différent pendant qu'on prive un peuple pour l'avancer? Comment on va le faire différent pendant qu'on prive peuple pour le manger dans bol li, pour le manger dans assiette li? Ou pral di mou c'est autorité pendant que pas ka communiquer à peuple? Ou pral di mou c'est autorité pendant que je dis à impopulaire? Ariel Henry tellement impopulaire, si Ariel Henry pas font tweet. Si Ariel Henry pas font une déclaration incohérente jodi an dans la presse pour faire parler de lui sur les réseaux sociaux, yo pas même de parler de Ariel Henry parce que li impopulaire en action, li impopulaire en comportement, li impopulaire en décision la prend, nous pas même connait si gon PM dans pays. Donc tout ça pour vous dire que autorité nous yo pas fait travail yo. Autorité nous yo pas compétent, yo pas crédible. Et c'est de même dans la question insécurité pour parler de Léon Charles, faut qu'on barve qui fait, faut qu'on écart qui fait, faut qu'on kidnapping qui fait en masse, faut qu'on bandit qui terrorise la population, qui rançonne les gens, faut pas qu'on passe Matissan, faut pas qu'on passe quoi des bouquets. Là, ça va changer de DG la police. Mais à part de ça, côté, qui travaille, qui fait, qui réelle nécessité de gagner l'argent pour nous qu'on ait des gens dans la tête de l'État, pour nous qu'on ait des gens comme nous qui prennent des décisions pour le peuple. Nous pas qu'à tolérer, nous pas qu'à accepter. Moment arrivé là, pour nous lever grand tout bon, pour nous revendiquer tout bon. Nous sommes passés 4 ans là, même les gens qui sont en opposition, ils mettent nous dans la rue. Ils mettent nous dans la rue, font des manifestations. Je dis à qui ça nous est. Je dis à nos opposition politique qui divisent. Ils divisent parce qu'on groupe, je ne groupe pas jouer. Et groupe ça qui en base de l'Ariel Henry, la bataille contre même l'autre groupe opposant. Même l'autre allié, leur ont choisi union ensemble, ils fait fond comme contre Jovenel Moïse. Jodi an c'est youn k'ap bata clote. Est-ce que yo te pour peuple? Est-ce que yo t'ap bataille pour peuple vrai? Non. C'est là pour c'est ou même comme haïtien pour nous regrouper nous tout bon pour nous mener un vrai bataille, un vrai combat. Yam m'saisi pour me donner André Michel k'ap dit que Liliane Pierre-Paul c'est adversaire politique li. Liliane Pierre-Paul et c'est farouche adversaire politique li de même pour Pierre Espérance alors que moun sa yo yo te regroupé le Jovenel Moïse te vivant yo te union matin midi son André Michel te dans émission Liliane Pierre-Paul ap défendre qui ça défendre opposition politique là yo contre Jovenel Moïse et voilà qu'on y a qui soit ouais Liliane a bataille André Michel Liliane a bataille avec et différents l'autre nexa qui fait partie de SDP qui en base Ariel Henry parce que li estime ça qu'a fait là li mal fait est-ce que c'est parce que le pas joine ou bien li mal fait parce que payant pas bénéficiaire donc là faut que nous comprenons que bataille qu'a fait là c'est pas bataille pour pays moi chaque jour me dis dans l'émission yo Nexa yo pa ka représenter nous, Nexa yo pa ka représenter nous parce que nous pa ba yo mandat pour ça. Yo pa légitime, yo pa légal, nous pa ba yo droit pour représenter nous. Jodi an faut nous comprendre que nous gon bataille qui pour faire pour pays, nous gon bataille qui doit faire pour changement. Mais c'est pas avec Nexa yo. Depuis le André Michel entré en Basel, Ariel Henry nous pa wel. C'est l'état miel qui a coulé sous l'huile, nèg la presse.
De pou ou el manke l'argent, ou el manke 10 millionnaires. Gen bagay nan mais. Donc je dis en la sou ou you n'a bata ak lot. Ou you n'a bata contre lot non même structure de l'opposition politique. C'est parce que quelque part, bon bagay ki bay yo tout pa jwenn. Si yo tout te jwenn, tout ta fait silence. Ki te mele yo avec peuple la. Donc ou même, faut prendre responsabilité en main. Pas d'où son militant parce que Intel te met dans la ou fait 4 ans en merde des pays, on fait 4 ans mettre barricade, ou fait 4 ans faire manifestation qui pas utile rien. Si nous pas d'assassiner Jovenel Moïse, jodi an la Jovenel Moïse t'a fait carré président parce que nous pas jamais objectif vrai. Ça te dit que Jovenel Moïse a les kidnapping a fini, que Jovenel Moïse a les insécurité a fini, que Jovenel Moïse a les grands plans de reconstruction de relance qui pral fait pour pays. Jovenel pral pour un pays à prendre stabilité pour de côte stabilité, côte sécurité nous bluffer. Côté sécurité nous hypocrite. Même n'exao qui t'a crasé paysan, c'est au même jodi qui besoin bon plan de stabilité, bon plan de sécurité pour Haïti. Qui plan? C'est en coucou, c'est même l'ouga ou yo, qui l'a encore, qui douron sa yo pral guéri petit tout, yo a mangé petit l'en bas, et puis yo dou yo pral guéri petit tout. Ou en pas fait n'exit confiance dans sa qui vient pour avec sécurité. M'pas faire yo confiance parce que c'est même yo même nan ka baye bandi zam, c'est même yo même ka parmi bandi qui sécurité pral parler là ou baye plan pour un et puis bandi en konnen contre-attaque là pour deux, c'est ça nous le fait. Oui, nous ka utile pays. Si pour utile pays aujourd'hui c'est dans politique là pour parler que ou pas dans politique là pour venir servir pays. Mais question pour dire ou ces politiciens pour besoin utile veillant ou ces politiciens besoin ba un plan de sécurité pour pays ou ces politiciens envisageant aide au développement pour pays, li pa jamais marcher. Li incohérent, li pa jamais marcher parce que politique en Haïti li pa marcher avec développement vrai. Politique en Haïti li pa marcher avec stabilité vrai. Politique en Haïti pa marcher avec sécurité vrai. Parce que nèg yo pa gen vision ça, nèg yo pa gen objectif ça. Objectif yo c'est faire l'argent, c'est mettre instabilité, c'est mettre insécurité en dedans pays en façon pour yo ka toujours gen contrôle. Yo en façon pour yo ka toujours là. C'est réelle nécessité qui gagne là dans système politique haïtien. Donc jodi an faut comprendre nous c'est haïtien ou dou remen pays ou bataille pour lui, ou dou remen pays ou agir. Agir pour nous changer ça gain là comme donnée politique, agir pour nous changer ça gain là comme acteur politique, on va ça pour nous cap un répit, on va ça pour nous cap bailler pays une dernière chance. Moment arrivé pour nous mettre en bout dans émission mon éditorial pour aujourd'hui. C'est toujours au même refrain acteur politique, c'est toujours au même refrain et instabilité politique, insécurité, communauté internationale qui a fourré bouche dans cause nous et ça et là. Mais nous connons résultat, nous connons solution, solution c'est non mais nous les derniers L4 là c'est non mais nous comme haïtien lié. Bataille, nous ka bataille, en nous bataille. Principe là n'est pas changer, continuer partager émission, partager vidéo avec tout contact ou quitter un commentaire, quitter un like, rendez-vous en l'icasse pour demain sur même chaîne là dans même l'heure. Des micro présentations, c'est toujours même Yannick la même voix. On n'est pas changé. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remè pays ou, et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, de chez Chanel par là, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.